Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farm Together 2 avec l'arrivée de la nouvelle update 29. On va aller voir ce que c'est et apparemment ça nous récompense quand on va visiter d'autres fermes. Donc moi ça m'arrange bien. Donc on va aller se connecter sur ma ferme, voir les avancements que j'ai fait depuis le temps et puis voilà. Bon, j'ai pas beaucoup évolué depuis, hein. Je me suis pas beaucoup connecté cette semaine à cause du taf. Quoi qu'il en soit, juste pour vous montrer ce que j'ai maintenant. Alors, vous voyez là, tout au bout, on voit que j'ai installé un nouveau moulin. Alors ici, il y a toujours mes plantes. Ici, là, je me suis fait un petit air, hein. C'est juste pour la déco avec des petites choses comme ça. Voilà. Je compte en mettre un deuxième ici et je compte en mettre deux de chaque côté aux quatre coins. Voilà. Comme ça ferait une décoration ordonnée, on va dire. Et là, je ne sais pas trop ce que je vais mettre entre les deux. Je verrai bien ce que ça va faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai créé ici la petite route qui va vers le fond du champ et j'ai mis tous les petits murets de chaque côté pour permettre d'accéder jusqu'au fond du champ. Sachant que si plus tard j'achèterai ce terrain, enfin. Et je ferai une sorte de carrefour pour augmenter ma surface cultivable. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de sous. Ça me sert à rien de rajouter plus de champs que j'en ai déjà. J'arrive déjà pas à tout remplir. Donc, au niveau de l'argent, c'est un peu compliqué pour moi actuellement. Vous voyez, il y a encore des parties où j'ai pas encore. Voilà. Donc, c'est pas évident au niveau des sous. En plus, j'essaie de faire des quêtes en même temps. Et bah, c'est pas glop glop. Là, j'ai mis des petits. Je sais pas si je vous avais montré la dernière fois des petits chemins de dallage pour ça. Voilà. Et là, ça va s'étendre au niveau des arbres. Donc, de ce côté-là. Petit changement, c'est au niveau ici. Vous voyez, ça fait un truc bien ordonné. J'ai enlevé les barrières qui me coûtent la peau du cul. J'en ai laissé ici dans le fer. Et j'ai simplement mis des tasseaux ici par terre. Ce qui est plutôt pas mal et ça me fait comme ça. Un truc pour les poissons. D'ailleurs, vous voyez, il manque des sous pour continuer à faire ça. C'est quoi ce que j'ai mis là? C'est des poissons chirurgiens blancs. Donc j'ai encore du travail, hein. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf par rapport à d'autres fermes qui sont bien, bien développées. Moi, je commence tout juste. Donc, qui va piano, hein, comme on dit. Je regarde si je peux pas. Non, ça, c'est les poules. Les animaux, c'est pareil, ça continue, c'est toujours en voie. Vous voyez, j'en mets ici, ça va continuer par là, et puis etc. etc. On va s'étendre comme ça de manière ordonnée pour que tous les animaux soient ensemble, les arbres fruitiers ensemble et la partie labourage, cultive, cultivation, etc. C'est bon. Je sais pas si ça dit cultivation d'ailleurs, j'ai un gros doute. L'agriculture, voilà, c'est mieux. J'ai rajouté des petites haies ici sur le côté, et puis voilà. On va se rendre maintenant. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Hein. On va aller en ville. Et puis, on va aller voir tout de suite ce que j'ai installé. Alors, j'ai installé, à savoir un. Alors, attendez, avant de vous montrer ça. Où est-ce que je l'ai mis mon truc? Ouais, j'ai mis là une boutique d'art hein, qui permet de vendre des petites choses. Alors, c'est bien, ça me permet d'avoir. Moi, ça m'arrange parce que ça me permet d'avoir ici des petits diamants. Et puis, tiens, attends madame, t'es là. Salut, tu vas bien? Ouais, gna gna. Ah ouais, elle me vend des poissons, elle. Non. Bah ouais, ils sont pas chers, mais non, merci, j'en veux pas. Alors, on va aller voir. Où est-ce que j'ai foutu mon truc? Alors, tant qu'il y a des gens qui sont tout proches. Ah merde. Voilà, le voici. Le voici, le voilou. Donc, à l'échange, interagis pour afficher toutes les options d'échange. Choisis l'un des éléments suivants. Donc, je peux choisir ça. Augmenter l'XP et les ressources acquises pour un temps limité. C'est pas mal. L'argent supplémentaire et la ressource de ton choix. Bon, c'est des petits cadeaux. Vous voyez qu'on peut changer ici. Un pouce vert, c'est-à-dire c'est quand on visite apparemment d'autres fermes. Donc, je ne l'ai pas encore fait. Pour l'instant, j'ai aucun pouce. J'ai rien du tout. Je peux en avoir jusqu'à 38. Et je peux échanger un de ces pouces contre des sous. Ou contre des rubis. Ou contre des faveurs comme ça. Ou contre des ressources. Après, toutes les ressources de mon choix que je peux avoir. C'est quand même pas mal.
Okay. Et je peux en changer selon la quantité que je veux. Donc pour ça, bah, il faut visiter les fermes apparemment. Alors je ne sais pas si on les a automatiquement dès qu'on visite une ferme, j'en sais rien. Ça. On va aller visiter les fermes de toute façon. À chaque fois, je visite les fermes. Va prendre ça. Je vais vendre nos petites choses. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter les fermes. Aller à ma ferme, je vois pas l'intérêt. Je sais pas pourquoi je suis revenu là, mais bon, c'est pas grave. À moins que j'ai des choses déjà qui se mettent en route, en place. Ouais, ça dure 24 minutes. Bon, je suis pas encore prêt à faire à faire ça. Ok. On va visiter les fermes du coup. Allez, c'est parti. On va quitter ici. Quitter la partie en cours. Et on va rejoindre une ferme et on va essayer de trouver une ville française, enfin une ferme française, si c'est possible. Alors, il est possible que je revisite des fermes que j'ai déjà eues, que j'ai déjà fait. Celui-là, je me dis, ça me parle pas, ça, le Haut-Belleron. Alors, je fais un tour. Le Champ des Fleurs, ok. La ferme du Chef Bruno, ok. La ferme de Céline. La ferme de Bruno, les granges du Coq-Fier. Ah bah il y a des Français, Aurélia et Singa, et la vallée de Tokyo. Ok. Allez, on va recommencer par celui du haut, à la limite, on va regarder ça. Alors, les pâturages du Techni, je sais pas quoi. On va faire un tour. Alors. Et puis on ira voir après de retour dans ma ferme ce qu'il y a. Ah. C'est quoi les pâturages du grand CH? Voilà, ça donne l'impression qu'il n'y a pas eu assez de place pour écrire tout ce qu'il voulait. Ok. Prenez-les. Ok, il a tout sectorisé ici en termes de. Ok. C'est bizarre la petite maison là sur le truc. On dirait qu'elle est biais en fait de loin. Ok, ah bah ça on va l'aider ça. Il y a une quête à faire ici. On va lui filer un petit coup de main. Attends, je peux pas le faire? Ah, il m'interdit de. Ok, je peux pas. Récolte. Ah, attends. Ok, je peux pas récolter. Ouais, je peux rien faire en fait sur sa ferme. C'est un peu chiant ça. Ok, étrange d'avoir mis un panneau et rien. D'accord. On sent qu'il y a le souci de faire quelque chose, mais c'est pas encore ça. Ouais, sa ferme est en construction, hein, y a pas photo. Hein. C'est trop tôt pour venir voir, mais je trouve qu'il y a des éléments disparates un peu partout. J'ai l'impression que le mec, il a fait des tests en fait. Il a fait des tests. Je pense qu'il a construit un truc en haut. Il a voulu faire un truc comme ça. Là, pareil, vous voyez, il y a. C'est une ferme test pour moi, ça. C'est une ferme test. Vous voyez là-bas, par exemple. Voilà, il a testé le fait de. Alors c'est pas mal, ça peut donner une idée. Un truc comme ça, isolé. Si t'en mets de chaque côté, ça fait quelque chose qui peut faire joli. Et à la limite, je me demande si en montant, 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 on peut faire un gros gros truc. Vous voyez, c'est du test. C'est un truc test. Et pourtant, c'est tellement grand. Alors, je pense qu'il a beaucoup évolué, ce garçon. Et que là, je pense qu'il est en pleine idée de refonte. Enfin, je pense. Hein. Parce que c'est bizarre d'avoir autant d'espace vide.
et des trucs un peu disparates un peu partout. Ok, bon, bah, je vais pas aller plus loin sur ce machin. Hein. Je trouve que c'est pas fini, c'est pas terminé. J'ai même pas de truc pour mettre un avis ou quoi que ce soit. Non, j'ai rien. Hein. Ouais. De toute façon, je peux rien faire sur sa ferme, c'est simple, hein. Il m'a tout bloqué. En fait, dans sa ferme, on ne peut que visiter et c'est tout. Ok, bon, du coup, on va quitter, hein. Et on va aller voir une autre. Alors, ensuite, on a les jardins du soleil. On va aller faire un tour là-bas. Ok, les jardins du soleil. Alors, au niveau du. Alors, il y en a juste une signature. C'est déjà un bon début. Alors, qu'est-ce qu'on a beau? Là, il y a McFly. Ok. Alors, je regarde là. Le truc qui est là. On va faire coucou. Voilà. Alors, je vais noter. Salut. Je visite. Hop. On va aller voir l'intérieur. Ok. Donc là, je peux pas faire ça, d'accord. Ah, j'aime bien le papier peint en forme de... La salle de bain est jolie. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ok. Alors, ici. Alors, on va se rendre sur les différents points. Ça m'a l'air d'être complexe. On va aller ici. Alors les étangs d'eau, bon, c'est pas terminé hein, ici effectivement, mais c'est pas mal en forme de carré plutôt qu'en longueur, hein, j'aime bien. Bon, il y a beaucoup 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 de travail. Alors il a déjà, elle a déjà, parce que ça va être une fille, j'ai l'impression, préfait ses clôtures et ses champs, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça permet de baliser l'endroit et de se rendre, de trouver ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Les poissons, on les a vus. Au niveau des plantes, pareil, toujours en construction. Alors lui, c'est carrément fait, donc lui ou elle, je sais pas. Elle s'est fait un secteur de plantes ici, comme dans un champ, contrairement à moi où j'avais tout entouré. Ok, bon, l'affaire n'est pas finie, hein, clairement. Il y a encore des choses à faire, j'y reviendrai peut-être un jour. J'y reviendrai sûrement un jour. Alors, il faudrait que je revienne au truc. Voilà. On va lui signer quand même son petit cahier, son petit truc. Hein. Où est-ce qu'il est? Bon, ça c'est pas mal, mais pas très utile. Il manque quelque chose autour. Je me suis dit, si je veux chipoter. Hein. Ok, donc c'est pas terminé. Hein. Allez, on continue. Alors, je vais pas dire jolie ferme, elle est pas terminée. Ferme sur les données, non. Bonne journée, à demain. Allez, on va faire continue comme ça. Et puis, c'est fait. Ok, on va quitter. Et on va faire rejoindre une ferme. Alors. Et puis il n'y a plus de français. Sophie Peto, 54, la vallée de Tokyo. On va faire un tour. On va faire un petit tour. Alors pourquoi la vallée de Tokyo? J'en sais rien. Il y a sûrement une raison. Alors. Bon, j'arrêterai en pleine nuit, c'est dommage. Alors.
Ok, bon, la décoration intérieure, c'est pas son fort. Ok, c'est laissé de côté totalement. D'accord. Ok, c'est pas grave. Ah, elle a pas beaucoup de sous, donc elle commence comme moi, vous voyez, elle est que niveau. Elle a que 4. Ah ouais, donc c'est vraiment un début de ferme aussi, décidément. Aujourd'hui, je fais que les débuts de ferme. Ouais, d'accord, ok. Ok, ça me rappelle mes débuts quand bah, je mettais tout côte à côte. Ok, ouais. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est vraiment une débutante. Ok. Bon, là, un petit effort de. Alors, ça, c'est pas trop mal. Ouais, entourer ça avec des petites haies, pourquoi pas. Et là, elle a posé juste une petite ferme ici. D'accord. Juste pour de la déco, quoi. Ok, bah, y a pas grand-chose à voir, hein, ceci dit. Je pense que je ne peux que l'encourager à continuer. Voilà. On voit que c'est vraiment le début, hein. C'est vraiment le début, début, début. Je vais. Je vais quand même lui mettre un petit commentaire. Salut. Bon courage pour la suite. Pour la suite. Persévère. Voilà. Allez, on va quitter. Et on va faire le reste. Alors, Knock Davis, le haut Belluron, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. J'aime bien visiter les fermes, ça peut me donner des idées et puis voir l'avancement par rapport à moi. Des fois, ça me rassure. Et des fois, ça m'inquiète parce que je me dis, oula, mais ça peut donner des idées. Récolte les cultures, récolte les fruits des arbres. Ouais, récolte les fruits, n'oublie pas de signer le livre d'or. Ben, sans problème, garçon. Hein. Ah, moi j'aime bien, un jour c'est ce que je ferai, hein. Je mettrai un ensemble à côté. Ok. Alors je sais pas comment, avec la nouvelle date, comment j'ai les pouces verts, mais bon. Ouais. Bon, truc tout simple. Ok. Alors comment ça se traduit ce machin? On va aller là, 13. Ok, il a fait toute une rangée de trucs de nourriture. D'accord. Il a mis des trucs comme ça par terre pour. Par contre, c'est bizarre. À mon avis, il y a eu pas assez de sous pour continuer. Bah si, pourtant, bah alors. T'as plein de thunes, garçon, faut continuer ta ligne là. Ouais, bizarre d'avoir arrêté. Ok, bon, pourquoi pas, why not? Je comprends pas tout. Ah, shit. Attends, j'essaie de retrouver un truc là. Pas mal d'animaux hein, chez ce garçon. Voilà. Ok, ça c'est impressionnant par contre. C'est quoi? C'est du poivre blanc? Putain, il s'est fait un champ de poivre blanc le mec. Waouh! Ah ouais, il y en a plein! Et là de l'orge, j'en ai jamais récolté de l'orge. Est-ce que j'ai le droit de replanter des trucs? Parce que si je plante, je vais pas lui foutre un champ. Hop. Je vais lui faire ça. Ah si, ben le pouce, ça y est, je vois en haut à gauche, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Quand vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous avez le pouce vert qui est à côté de l'essence, j'ai pas fait attention. Et quand vous aidez vraiment quelqu'un, il n'y a pas que la visite qui paye, quand vous aidez quelqu'un, il y a le pouce vert qui... Voilà, là j'en ai deux, vous voyez. Plus j'aide les gens,
Et plus je récolte des pouces verts. Et ça, c'est cool. Ah ouais, bien. Bien ça. Donc ça incite les gens à venir vous aider. Et je trouve que c'est une très 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 bonne chose d'avoir installé ça. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune récompense quand on allait voir les gens et qu'on allait les aider. Là, ça permet de passer du temps justement sur la ferme de quelqu'un et d'effectuer quelque chose. Ça incite vraiment à aller voir les gens. Et je trouve ça mais excellent quoi. Je trouve ça excellent. Je ne sais pas tout lui faire son champ de ça parce que je pense qu'il en a besoin peut-être. Donc je vais m'arrêter là pour l'aide. Ou à la limite je peux en mettre d'autres mais je vais pas tout lui faire. Je trouve ça serait pas bien. Enfin moi personnellement je trouve ça pas bien si je lui fais tout. Ouais, je préfère lui laisser quand même une partie. Quoique il y en avait là aussi. Hein. Ouais, il y en avait là aussi. À la limite je peux faire ça. Hein. Ouais, je peux faire ça. Ici. Voilà. Je vais lui faire cette partie-là de champ. Comme ça. Moi, ça va me faire des points. Des points. Des points verts. Je récolte son champ. Il est content. Voilà. Voilà, hop, ok, on va aller voir les autres parties du Schmurz. Donc là, il est là le garçon, bah non, mais je suis là, donc il est pas loin alors le mec, je l'ai pas vu, ok, ensuite on va aller voir par, ok, bon c'est ordonné mais comme je dis tout, voilà, il n'y a pas vraiment de décoration, c'est la production pour la production. Mais c'est très, très ordonné, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est ordonné à mort. Mais il n'y a pas vraiment de place pour la décoration ou pour l'esthétisme. Voilà. Ça reste pratique et fonctionnel. Ce qui est bien aussi, hein. Ceci dit, c'est pas du tout une critique. En tout cas, j'aime bien, c'est qu'il y a des grands, grands espaces de récolte. Et c'est plutôt agréable que des petits espaces où à chaque fois, il faut faire attention, reculer, revenir, etc. Franchement, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, je pense qu'on va quitter. Il n'y a pas grand-chose à découvrir. On voit que c'est ordonné. Et puis, de toute façon, à force de faire des trucs comme ça, évidemment. Alors... ce que je vais lui mettre, attends, peut-être prendre ça. Mais c'est vrai que tout seul, ça lui fait énormément de travail. Hein. De ce fait, je pense qu'il doit pas s'ennuyer le garçon. Hein. Voilà, on voit ça. On va mettre ça. Ok, pas assez de ressources. Ok, bon, j'ai vu à peu près ce que c'était. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de. Alors, il y en a qui l'ont inspiré. Moi, ça ne m'inspire pas forcément, mais je trouve qu'elle est soignée et ordonnée. Ça, effectivement, elle est soignée et ordonnée. Ok, on va quitter cette ferme. Et on va en voir une autre. Alors. Les vergers aux quatre vents de Ghislaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La ferme aux animaux, je me sens que j'avais déjà été ça. New beginning, compagnon. Bah, c'est tout, hein, la ferme aux 80. Bah, je pense qu'on va terminer. Attends. Elle est où ? Les vergers aux 80. Ok, on y va. Ça sera peut-être la dernière qu'on va visiter. Après, tout de suite, on va rentrer. Et on va essayer de transformer les petits pouces verts que j'ai eus en éléments intéressants. Alors, les vergers. Ah oui, donc il n'y a pas de place pour tout écrire. Ok. C'est dommage. C'est dommage. Alors ici,
Ok, donc le choix de laisser tout en vert et avec des reliefs. Ok. Alors c'est un choix que moi c'est vrai que dans la vie de tous les jours, y a pas de, on n'est pas dans un pays plat. Il y a des choses qui sont comme ça, mais moi ça, c'est pas, j'aime pas trop en général les trucs comme ça. Alors si c'est les vergers aux quatre vents. Alors j'ai du mal à avoir une structure par contre dans tout ça. Il y a des bâtiments un peu partout. Alors ça par contre, regardez là. Voilà, les petits trucs comme ça. Bon ça je sais pas si je l'ai ça. Je pense que je l'ai. Par contre ça il faut récolter coco. Ah je peux pas. Ah c'est chiant ça. Je peux pas aider. C'est marrant la prolifération de ces petites baraques là. Faut faire attention qu'il n'y en ait pas de trop non plus, ceci dit, mais. Alors. Ouais. En fait, c'est comme les hauteurs. Tout est à l'image des hauteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment ordonné dans un sens cartésien, on va dire. Tout est placé ensemble, certes, mais ça ne forme pas un carré, un cercle, un machin. Voilà, ça ne forme pas une structure. Ça ne forme pas du tout une structure. Ah, je peux rien faire en fait chez elle. Alors, vous voyez les gars, faire des fermes où on peut rien faire chez les gens, ben, laissez-nous au moins récolter des choses quoi, parce que là, vous voyez, je peux pas travailler, je peux rien faire, je peux pas aider, c'est dommage. C'est fort dommage. Donc on peut venir que voir, que visiter et c'est tout quoi. Et pourtant, elle a développé énormément de trucs, c'est un truc de malade, il y en a partout. Mais tout est disparate hein, quand même. Je peux pas travailler dedans et ça c'est chiant parce que ça ne donne pas envie de rester. C'est dommage que je peux pas mettre dans le livre d'or. Hein. Enfin, je sais même pas s'il y en a un d'ailleurs. C'est dommage qu'on peut pas mettre un truc du style. J'ai pas l'impression qu'il y a un livre d'or. Ben, j'en vois pas. En tout cas, s'il est là, s'il est quelque part, il aurait dû être placé juste à l'entrée. Mais voilà, on peut pas travailler dessus. C'est dommage. Bah, du coup, je vais quitter. Ça me sert à rien de rester là. Dommage. On devrait pouvoir laisser le choix aux gens de faire au moins quelque chose. On va aller chez Aline. Parce que là, bon, je suis passé en 5 minutes chez eux. Oula! Aidez-moi à compléter les quêtes, fais ce que tu veux, tu te souviens, désolé du désordre. Ok. Alors ça, c'est un choix qu'elle a dû faire, je pense, de créer un truc comme ça. C'est pas mal. Alors c'est dommage que ça soit pas régulier par contre. Enfin moi je suis un fanat du truc régulier, ordonné, qui fait joli, etc. C'est dommage que ça soit pas ordonné. Mais c'est une bonne idée d'avoir créé un truc comme un bassin comme ça, énorme. C'est plutôt une bonne idée. Alors ça c'est pas mal parce qu'elle a déjà fait ses carrés de. Même s'il n'y a encore rien dessus. C'est pas plus mal. Ça permet au moins ensuite de délimiter les zones. Donc pourquoi pas. Donc ici on est là pour l'instant, on est dans un secteur plutôt vide. On voit hein, ici, là. On va aller faire un tour du côté de la truc à poisson. Alors ça c'est étonnant. Alors ça c'est très très étonnant. Le truc à poisson. Alors est-ce que dans sa tête elle s'est dit comme ça les animaux ils s'enfuient pas? Mais c'est surprenant l'association d'idées entre. Ça me surprendra toujours, moi. J'étais persuadé en allant là que c'était un truc de poisson. C'est effectivement un truc de poisson, mais avec des animaux au milieu. C'est. Waouh! C'est surprenant. Enfin, je sais pas, non? Enfin, je sais pas. Alors, ce qui est bien, c'est que au niveau des pouces verts, j'étais arrivé à 5, ça ne revenait pas à 0 quand je vais chez quelqu'un. Et c'est plutôt pas mal. C'est très 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 étonnant.
Pourquoi? Ah, je pige pas trop, mais ok. Ok. Bon, ça, à la limite, oui, je veux bien comprendre. Oh, c'est rigolo ça. Ouais. C'est pas mal, les petites lumières sur chaque truc comme ça, le long du chemin. Perso, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait un chemin illuminé. Ok, ça fait des trous qu'on peut passer là. Mais ça, par contre, ça peut m'inspirer, ça. Ça peut m'inspirer, notamment sur tout le long de mon trajet là que j'ai fait là. Je suis dans ma propre ferme. Quand il fait nuit, ça fait pas du tout une voie éclairée. Et là, c'est plutôt bien. Ça, par contre, j'aime bien. Alors, c'est marrant. Ça, c'est plutôt bien vu aussi. Espèce de champ et devant les trucs de fleurs pour faire beau ici devant et pour mettre ça ici. Non, ça franchement, ça je suis ok. Ça je suis ok, j'aime beaucoup. Ok. Ah, ok, d'accord. Attends, on va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc là, je suis dans ce secteur-là. On va aller dans le secteur 2 ici. Ok, séparation parterre de fleurs entre deux. Là, par contre, c'est que ça fait un peu fouillis. Oula. Ça fait trop fouillis pour moi. Ok, bâtiment et parterre de fleurs. Ok. Alors, j'aime bien les barrières. Je trouve ça champêtre, c'est pas mal. Ah, tiens, on va aller visiter ça. Donc ici, un petit lac avec des poissons, etc. Machin. Bon, ça, on l'avait déjà fait ailleurs. C'est bon. Mais ça fait un grand espace de lac. Ok, on va aller voir ici. Ouh, ouh là là. Alors ça, par contre, ah, je suis pas trop fan. Alors c'est dommage hein, que ces arches-là, on peut pas les mettre là où ça tombe ici. Parce que ça aurait été plus joli. Mais c'est un peu too much là, je trouve. Alors, elle aime bien les arceaux. Ouais, mais trop d'arceaux tuent les arceaux, je trouve. Enfin, je veux dire, moi j'en ai ici pas mal chez moi, mais. Ouais, c'est très. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ok. Écoute, on a vu, on a fait un petit peu le tour. Je voudrais juste remplir ma barre. Juste remplir ma barre. Donc ici. On va faire ça. Ok, mettre de l'eau, ça fait pas du tout monter la barre. Ok, je pensais. Donc c'est pas considéré comme étant une aide de mettre la barre. Ok, pourquoi pas, why not? Mais ça, franchement, c'est. Ça, je comprends pas, quoi. Ça va pas. Moi, ça me choque. Ça me choque à mort. Ça me choque à mort. Et ça là-bas, c'est quoi? Ah, elle aime bien les trucs comme ça, j'ai l'impression. Hein.
Mais ce qui me fait drôle, moi, c'est que c'est pas de sa faute, hein. C'est jockey comme ça. Ça fait un petit truc, une petite montée, et ça tombe. Ça donne l'impression que ça tombe, mais d'une force, d'une hauteur de beaucoup plus haut, alors qu'en fait, c'est très bas. Je me demande si moi, je pourrais pas faire un truc, mais vraiment grand, style montagne, machin, et qu'après, il n'y a plus qu'à. Je sais pas. Je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai. Sur l'ensemble des fermes que j'ai visitées, j'ai pas été super, super, super emballé par tout ce que j'ai vu par rapport à la dernière fois, c'est clair. J'en ai une qui m'a donné une idée quelque part sur par les lumières le long du chemin. C'est plutôt pas mal, je vais retenir ça en fait. Vous voyez, il y a une focalisation sur l'eau qui est quand même là. On la jette, c'est pour avoir les petits pousses. Oh putain, il m'en manque. Il en manque, il en manque, il m'en manque un petit peu. Voilà. Bon ben, je vais partir. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On va revenir là. Est-ce qu'il y a un truc pour signer son truc? Alors, pourquoi les gens ne le mettent pas là où on pop? C'est tellement plus simple. Ah tiens, j'ai pas été visiter sa baraque. Attends. Hop. Ok. Alors la décoration de l'intérieur est plutôt pas mal. C'est une autre façon de voir les choses. C'est plutôt pas mal. Ok, la chambre bien, cool. Ok. Je peux rien peindre. La cuisine est cool aussi. Ok. Par contre, j'aime beaucoup l'intérieur. L'intérieur, je la trouve plutôt pas mal. Ouais, franchement super. Ok. Allez, on va signer le livre. Donc, ferme soigneur donné. Ok, jolie ferme. Ravi de te rencontrer. Je dirais pas que c'est soigné et ordonné, moi. Plutôt jolie maison parce que j'ai plus apprécié l'intérieur que l'extérieur. Ok, allez, sur ce, on va quitter ça. On va retrouver ma ferme. Et du coup, ce que j'ai envie d'aller faire, c'est aller en ville et voir les petits trucs. Alors, où est-ce que j'ai foutu ça? Ah, ici. Là. Là. Là, je vais faire un print écran parce que c'était l'objet de cette vidéo. De voir justement ce que ça propose. Alors, j'ai 8 comme ça et je peux les échanger. Donc, je peux en échanger un pour 40. Si je change les 8, ça me fait 5 minutes 20 de boost. Le boost augmente l'XP et les ressources acquises pour un temps limité. Ok, donc ça augmente mon XP et leur truc. Si je choisis, je peux avoir 86 000. C'est énorme. Pour 1, j'ai 10 000 et pour les 8, j'ai 86 000. Alors, là, je peux avoir ça et pour 8, j'en ai 48. Alors ça peut avoir des faveurs. 7, je peux avoir une faveur. Ok. Et après, j'ai des ressources au choix.
D'accord. Les ressources au choix, franchement, non. Je suis pas. Vous voyez, on a le truc ici. On a l'échange. Tout est là, et là, c'est toutes les ressources. On peut même descendre ici. Je peux avoir des. Alors, peut-être des choses que j'ai pas encore, je pourrais, mais. Alors, moi, je suis tenté de prendre la thune. Hein. J'ai tellement peu de thunes. On va échanger. Attends, c'est là. Donc, je vais prendre les 8 pour 86 000. Voilà. Retour. Ben, vous voyez, le fait d'avoir aidé quelqu'un, ça m'a coûté, ça m'a rendu 86 000 au niveau thune. Et ça, c'est pas mal. Ça peut me faire. Ok, cool. Cool. On va venir à la ferme. Pas quelque chose qui a entre-temps. Ah, si, ça. Ça. Ça, je m'en fous. C'est juste qu'il faut que. Ok, ça c'est pas encore ça? Chier. 12 minutes. Ok. Tu vois, sur le long de mon chemin là, je serais bien de faire des petits trous et mettre les lumières comme il a fait le gars là. Ça m'avait bien inspiré ce truc là. Alors, les tomates jaunes. On va le remplacer par d'autres Thomas John. Voilà. Attends, on va peut-être arrêter là parce que là c'est carrément une autre production. Bon, moi c'est voilà, moi c'est pas, c'est un peu décousu aussi, hein, mais c'est parce que j'avais tellement peu d'argent. Les choux verts, c'est pas tout de suite. On va aller voir ça. Ah, ça, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Hop, et on va aller voir les pommiers. Ce qui est bien, c'est l'accès est très rapide. Hein. Au moins, les vergers sont un peu petits, c'est aussi dit. Ça fera l'objet sûrement d'une refonte un peu plus tard, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Ok. On va revenir. C'est où que c'était? C'était là. Non, c'est pas là. Ici. Alors maintenant que j'ai des sous, on va faire la même chose ici. Du blanc aussi. Voilà. Ici, on va y mettre le petit moulin là. Voilà. Il a une décoration, mais qui n'est pas forcément la même que celle qui est là.
changer un petit peu. Sauf que là, ça prend les deux espaces, alors que là, ça n'en prend qu'un. C'est juste histoire de combler, hein. J'ai pas accès à beaucoup de choses, hein, ceci dit, donc... Voilà, pour dire qu'il y avait un arbre là, ça a été coupé, le bois est ici, là, et ça, voilà, voilà. Donc, voilà, comme ça m'en fait deux, comme ça de chaque côté. Moi j'aime bien voir s'il y a une vision. Voilà, la vision est là. Les deux moulins par là-bas. J'en mets deux par là-bas, deux par là-bas, deux par là-bas. Et point trop n'en faut. Faut pas non plus que je fasse une rangée complète. Et ici, il va falloir que je décide de ce que je vais mettre pour compenser. Alors je pense que je ferai d'autres parterres de fleurs. Parce que là, j'ai pas assez de place, hein, pour tout mettre. Je ferai des parterres de fleurs complètes. Alors, est-ce que je ferai pas... Alors, moi, au début, pour tout vous dire, j'avais pensé faire un truc français. Du style, le drapeau bleu, blanc, rouge. Faire bleu, blanc et rouge. Et je me dis, pourquoi pas? Par exemple, je prends fleur bleue, celle-ci. Est-ce que j'aurai assez de thunes? J'espère que oui. Bleu, 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 bleu. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Blanc. Voilà. Voilà. Et rouge. J'ai un espace de trop. Voilà. Ok. Bon, ça fait drapeau français. Par contre, là où j'ai mal... Ah putain, j'ai mal géré mon coup. Oh putain, attends. Ah. J'aime bien la symétrie, hein. Donc moi ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Attends. Pose la question si je devrais pas plutôt les mettre en... Attends. Ah non, j'ai une autre idée. Soit je les colle ou je les sépare. Non, il faut mieux les coller. Pour faire un effet drapeau, c'est mieux de les coller. Hein. Voilà.
coup, ça me fait dépenser de la thune à mort, mais ça fait chier, quoi. Mais... Tout ça parce que j'ai fait une erreur de calcul. Attends. Voilà. Comme ça, j'ai l'espace. J'ai un cran à gauche et un cran à droite. Bon, tant qu'elles sont pas poussées, l'effet n'est pas forcément ouf. Et ici, les drapeaux. Alors. Mais c'était où les drapeaux que j'avais là? J'avais un drapeau français là. Décoration, drapeau. Voilà. Alors. Dans l'autre sens, copain, ça serait mieux. Putain, il ne veut pas se mettre dans la position que je veux, bordel! Voilà, comme ça. Ça sert à rien, mais... Voilà. Voilà. Ensuite... Voilà. Ici. Est-ce qu'on pourrait mettre d'autres? Ah, là, je suis en plein de... En plein de trucs créatifs. J'essaie de faire un truc joli. C'est pas forcément évident, mais... Par contre, le fait d'avoir mis ça, ça bloque ça. Fait chier. Attends. J'ai pas beaucoup de choix pour l'instant, donc voilà quoi. Je peux pas choisir la couleur de ce truc là. Je pense que si, on peut le faire en blanc et en machin. Hein. Trier par catégorie. Variante en W. J'ai une variante blanche, une variante rose. Dommage qu'il n'y a pas de blanc-rouge. Au niveau des variantes. Attends. Pareil pour le mur, est-ce qu'il y a des variantes? Non. Il y a trois variantes. Ok, il y a les différents niveaux. Même ça, même si ça c'est une clôture de curie, ça peut... je sais pas. J'ai envie de l'entourer de quelque chose, mais je veux pas non plus que ça fasse trop surcharger. Après on se quittera là-dessus, hein, je pense, mais...
j'aurais peut-être une idée plus tard. J'aurais peut-être une idée plus tard. Là, pour l'heure, je vois pas vraiment ce que je peux mettre. On verra s'il y a d'autres choses qui se débloquent plus tard là-dessus. Je suis embêté parce que j'aurais bien voulu faire un truc en plus. J'aurais bien faire un truc en plus. Mais... Bon, je tente ça. Au pire, je l'enlève si ça fait moche. Ok. Bah la hagnette, hein, je peux pas. Chier quoi. Je peux pas le déplacer là, le mettre au coin. Ah, il y a Chantal qui me rejoint. Salut Chantal. J'allais bientôt quitter. Je viens de terminer enregistrement. Session. Là, je filme encore et je termine mon idée de drapeau français en fleurs. Bon. Ça manque de relief. Ça manque de relief. C'est ça qui m'embête. Il y a quelque chose qui manque dans ce drapeau. Après, les fleurs sont pas. Elles viennent d'être posées. Une fois poussées, je ne suis pas sûr que ça donnera quelque chose. On verra, on verra. Ça me fait chier qu'on peut pas imbriquer. Non, bah, je vois pas ce que je peux faire de plus. Pour l'instant, on verra plus tard. Bon, les gens, je pense qu'on va bientôt se laisser là. J'ai juste terminé ça. Voilà, hop, ça c'est fait. Touk touk. Les bambous. Voilà. Hop, c'est fait. Nickel. Alors la Chantal, elle est où?
On est parti faire un tour au niveau des fleurs, ok. Moi je vais faire maïs. Un bambou, coquelicot, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, du coup qu'elle est là, du coup bah j'ai pas trop envie de quitter parce que elle peut m'aider la cocotte. C'est bien la première fois que quelqu'un vient m'aider. Ok. Ah, là, il y a ça. Chantal, elle travaille. Je vais mettre un petit message. Je vais mettre un petit message ici. En tout cas, très bonne idée. Je vais mettre là les devs pour les pouces verts quand on aide quelqu'un. Au moins, now, les visites sont récompensées. Voilà. C'est clair, je me fais 200 diamants par jour, j'ai du temps. Bah, tu m'étonnes, cocotte. Tu m'étonnes. Alors, on va replanter des lentilles ou pas? J'aime bien les tomates, moi. Des épinards communs? J'ai pas ça, moi. Épinards communs. Je mets ça. Allez. Du coup, je devais quitter et puis, bah, vu qu'elle est là. Continuer à enregistrer, hein. Voilà, boum. Ça c'est fait. Ça, du coup, je vais mettre. Ah, petite citrouille.
Oui, j'ai partagé tes vidéos sur deux groupes, tu verras si tu viens, j'ai au moins 10. Hein? Ah, c'est chiant le truc, je vois pas. J'ai au moins 10 à 12 personnes. Ah bon? Mais c'est des groupes quoi? Facebook? En tout cas, merci pour le partage. Ça fait plaisir. Elle dit que c'est une erreur de ne pas avoir Facebook. En fait, j'ai eu Facebook pendant un moment. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était du voyeurisme. Alors, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'avais tendance à trop étaler ma vie dessus. Et personnellement, j'aime pas. Et j'ai fini par annuler mon compte Facebook pour en créer un nouveau, pour finir par la même chose, par l'annuler. J'étais trop tout le temps dessus. Et c'était trop. Comment dire non, j'avais pas envie de voir les notifications des gens, de poster des trucs. Si je répondais pas, on me disait ouais, pourquoi t'as pas répondu. Enfin, des conneries comme ça. Moi, Facebook, ça me gave. Donc. Je ne pas Facebook de nouveau, je vais pas le réinstaller. C'est pas quelque chose qui me plaît. Donc voilà. Ah, j'ai plus de. Oh, shit. Merci Chantal, Big Kiss. Ça m'aide pour ma visibilité de chaîne. Ok, hop là. Ok. Les épinards communs, je sais pas. Je sais pas si je peux en. Ah, les épinards communs, c'est ça. Eh ben, on va en mettre. Ah putain, à chaque fois j'oublie de. Ah bordel. Si tu prends pas de l'essence dans ton moteur, copain. Pas de l'essence de ton moteur, ça marchera pas. Hop. Épinard commun. Par contre, on va peut-être arrêter là. Putain, j'ai plus de 2000 sous. Ok, bon ben je pense que je vais dire à Chantal que je vais quitter. Alors. Merci d'être passé. Je vais quitter. Ça fait un moment que je joue. N'hésite pas à signer le livre d'or. Quand. Ah merde! Quand je vais quitter, tu seras sûrement déco de ma ferme. Alors. Ici. Alors. Donc. Voilà, j'ai rien mis sur le livre d'or.
Moi, ça va, c'est bien. Je te laisse signer le livre d'or. Voilà, merci Chantal pour ça. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Salut les gens, ciao ciao. Portez-vous bien, bye.